cas de malheur moderne vous dit bonjour. Voilà une émission moi c'est comme malheur moderne beauté beauté. Les on a mes mérbino plat moko plat à la base les plat moko mingi bah tunisien bandibou bah ça la kango voilà. Voilà c'est un plat d'inspiration tunisienne ou même il y en a un peu ailleurs. Donc c'est une ratatouille aux œufs. C'est en mode confinement, donc j'ai pas tous les ingrédients de base, donc j'ai adapté la recette à ma manière. Et ça me rappelle aussi mon enfance, on mangeait ce genre de plat, ratatouille avec des œufs, mais là c'était des œufs durs ici en Belgique. Et donc j'ai essayé de reproduire la recette de ratatouille aux œufs. Voilà. Et je vous présente tout de suite les ingrédients qui seront nécessaires à la réalisation de ce plat. Pour réaliser cette ratatouille aux œufs, vous aurez besoin normalement de légumes pour ratatouille, mais comme on est confiné, on n'en a pas. On a fait en mode récup, donc j'ai récupéré un petit reste de surgelé pour couscous. Mais dans ce reste, il y avait très peu de courgettes, il en restait presque plus, donc je vais ajouter un petit peu d'aubergine, un petit peu de courgettes, c'est vraiment ce qui me reste pour que la ratatouille ait une bonne forme. En général, dans la ratatouille, je ne mets pas de pois chiche, mais dans le mélange pour couscous, il y en avait, donc on va faire avec. Un oignon émincé, deux gousses d'ail, 6 œufs, de l'huile d'olive, du sel, du poivre noir et de la purée de tomates ou si vous avez deux tomates fraîches. Moi, il me restait de la purée de tomates. En général, quand j'en ai trop, je mets au congélateur. Donc aujourd'hui, ça va bien sauver. Et un peu de persil. Je n'ai plus de persil frais. Ce sera du persil sec. Donc, 6 œufs, 2 gousses d'ail, 1 oignon, aubergine, courgette, mélange pour couscous ou alors légumes pour ratatouille. Sel, poivre, purée de tomates. Nous allons passer directement au fourneau. Voilà, donc on va mettre un peu d'huile d'olive. Équivalent de 4 cuillères à soupe. Voilà, on va mettre l'ail. Ça, ça va libérer la bonne odeur de l'ail. Les oignons. On va un peu cuire les oignons. Voilà nos oignons bien sués. Je vais mettre l'aubergine, la courgette. Voilà, donc je disais, on va un peu faire suer donc aubergine et courgette. Voilà, c'est fait. Maintenant, on va mettre le mélange pour couscous parce que c'est tout ce qu'on a. Sinon, vous mettez les légumes habituels qu'on met pour la ratatouille. Donc, ici, c'est une adaptation. Hein.
vais mettre un peu de sel. Cuillère, peut-être. Une cuillère. Un peu moins. Alors, maintenant, une fois que nos légumes commencent à se ramollir, on ajoute la purée de tomates. Elle est encore congelée. Et là, maintenant, on va recouvrir et laisser cuire à feu doux. Hein. Les légumes, comme ils sont congelés, ils vont rendre de l'eau. Donc, on va faire ça comme ça. On met un feu doux. Voilà, donc on couvre et on laisse cuire à feu doux au moins 20 minutes. À tout à l'heure. Voilà, évidemment, il faut de temps en temps touiller, hein. Voilà. Vous touillez de temps en temps. Retour, là c'est bon, hein, c'est cuit, c'est prêt, c'est bien. Maintenant, on va casser nos œufs à l'intérieur, comme si on voulait faire des œufs au plat. Je me lave les mains, une seconde. Attends. Là, je reviens. Alors, est-ce qu'on a un petit truc ici? Voilà. Je vais quand même juste ajuster les légumes, qu'il y en ait bien un peu partout. Au moment où on met les œufs, on va couvrir. Et à ce moment-là, c'est vraiment sous la chaleur, sous la vapeur que ça va cuire. On va couvrir. Et on garde encore 5 minutes comme ça. Une petite ratatouille aux œufs, ça sera bientôt prêt. Donc là, la dernière étape, maintenant il faut laisser cuire sous la vapeur. Oups, on a oublié le persil. On va mettre le persil et le poivre. Voilà, persil.
Voilà. Voilà, c'est prêt. Voilà, directement, on va passer à la présentation de l'assiette. Voilà, notre assiette est prête. Donc, la ratatouille aux œufs, ça donne ça, c'est un plat à part entière. Je vous conseille de manger ça soit avec des pommes de terre, que ce soit des pommes de terre en purée ou des pommes de terre nature, ou alors encore avec du pain, selon votre goût et selon le moment où vous mangez. Si vous voulez un plat léger le soir, juste une petite tartine avec, ce sera suffisant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et l'émission Moseka de Maléa Moderne vous dit au revoir. Au revoir. Fashion Bols vous annonce que des masques de protection en tissu, anti-coronavirus, sont disponibles à Kinshasa sur simple appel téléphonique. Fashion Bols. Fashion Bols. Fashion Bols. Fashion Bols. Pour vos bombers sans paille, passez commande chez Fashion Bols. Bombers. 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 At Fashion Bols. Bombers. 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 At Fashion Bols. Pour commander chez Fashion Bols, veuillez contacter le numéro suivant. Plus 243 82 175 31 57. Je répète, plus 243 82 175 31 57. Fashion Bols. Fashion Bols vous annonce que des masques de protection en tissu, anti-coronavirus, sont disponibles à Kinshasa sur simple appel téléphonique. Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle qui prépare l'émission Moseka de Maléa Moderne.